Toujours à l'Hôtel de la Cité pour la présentation des recrues saison 2020-2021. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Baptiste Moufous, j'ai 21 ans, je viens du Stade Toulousain. J'ai commencé le rugby avec Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Ensuite, je suis parti à Tarbes en Crabos. Et depuis 3 saisons, en espoir au Stade Toulousain. Impeccable. Alors, dans cette crise sanitaire, comment s'est passée un petit peu cette intégration, on va dire partielle, mais intégration quand même, dans le club et surtout dans le groupe de joueurs ? Ben, ça s'est plutôt bien passé. On était par un petit groupe de 6. Un groupe de tous les recrues de jeunes joueurs, donc bon, ça a été plutôt cool, intense du côté plan sportif, mais plutôt cool et ça s'est passé correctement. Impeccable. Donc la préparation physique et le jeu collectif vont s'intensifier. Comment vous vous sentez par rapport à la mise en place du jeu carcassonné ? Je pense que vous avez regardé un petit peu certains matchs de Carcassonne. Il y a un gros 8 de devant et peut-être il y a justement des choses à faire derrière, non ? Oui, bien sûr. Surtout, déjà, comme vous l'avez dit, il y a un gros pack avec des anciens joueurs et derrière, avec l'apport de jeunes recrues, je pense qu'il va sûrement de la matière et pour envoyer du jeu et répondre tout en respectant le plan de jeu. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors justement, on connaît à peu près les objectifs du staff, puisqu'on va essayer d'accrocher cette année aussi la sixième place, au moins la sixième place, qui serait synonyme pour nous d'une demi-finale. Mais pour vous, vos objectifs personnels, ce serait prioritairement quoi ? Essayer d'avoir un maximum de temps de jeu, c'est le but du prêt qu'on fait, et prendre du plaisir et voilà, en jouant au rugby tout simplement. Comment s'est passé un petit peu ? Quels sont vos rapports, j'allais dire, plutôt avec le staff, Christian Labitte, Mathieu Cidre et Julien Serron ? Comment ça s'est passé avec eux ? Ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques échanges téléphoniques durant le Covid. Et puis là, on a commencé à attaquer le rugby cette semaine. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ça va. Allez, je pose toujours la même dernière question un petit peu à tout le monde. C'est un petit peu le meilleur souvenir qu'on peut avoir dans votre jeune carrière de rugbyman. Mon plus beau souvenir, c'était un petit titre avec mes copains de là où j'ai commencé le rugby, c'était un junior et voilà, c'était pas un gros titre, mais pour l'instant c'est mon meilleur souvenir. Allez, merci pour cette interview et j'espère qu'on vous connaît même mieux maintenant. À la prochaine. Au revoir, merci.